نشكر الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد. Now with Dr. Mansour Aremo's word, the president of the African Federation of Handball. Monsieur le ministre des Sports de la République arabe d'Égypte, cher frère, monsieur le président de la Fédération internationale de handball, monsieur le président de la Fédération égyptienne de handball, distingués invités, mesdames et messieurs les présidents des fédérations nationales africaines, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du comité exécutif de la Confédération africaine de handball, je vous souhaite la bienvenue à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes 2024. À l'entame de mon intervention, je voudrais exprimer ma gratitude à tous, amis du handball, qui protègent, aident et assurent la continuité du développement du handball africain. Grâce à eux et à vous tous, nous pouvons passer ces moments d'émotion d'une année à l'autre dans la convivialité. Comme le veut la tradition, je voudrais en cet instant réitérer à tous les amis, où qu'ils se trouvent, mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années 2024. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnalités ici présentes, notamment le ministre des Sports, les ambassadeurs et les membres des corps diplomatiques et consulaires, de nous avoir honorés en acceptant de venir rehausser par leur présence prestigieuse la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, une vitrine de notre sport. Je voudrais particulièrement saluer ici le président de la Fédération internationale de handball pour l'attention particulière accordée à cette compétition phare et son action personnelle en faveur de la promotion du développement du handball en Afrique. Mes remerciements très appuyés vont au ministre des Sports et à toutes les autorités sportives et administratives de l'Égypte pour cet accueil fraternel et cette hospitalité généreuse, fruit d'un peuple connu pour ses valeurs de solidarité et de convivialité. En cette occasion privilégiée, qu'il me soit permis de rendre hommage au président de la Fédération égyptienne de handball et à tous ses collaborateurs pour leur dévouement et leur grande disponibilité. J'adresse mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès au comité d'organisation. Ils ont pu réunir autour d'eux, depuis plusieurs mois, les meilleures volontés, les compétences et les imaginations les plus vives pour les mettre au service du handball africain afin que la fête soit belle. À toutes les délégations, ainsi qu'à ceux qui ont apporté leur collaboration et leur expertise dans la préparation de cette édition, je dis vivement merci. Les médias, dont je salue les efforts, constituent des soutiens essentiels pour nos manifestations. À cet effet,
Je voudrais beaucoup compter sur eux pour le succès et le rayonnement de cette 26e édition. Je suis également convaincu que le public portera haut les valeurs de fair play en démontrant chaque jour un peu plus d'enthousiasme et de ferveur pour nous faire vivre une vraie fête à l'africaine avec son et couleur. De cette manière, toutes les équipes participantes se sentiront comme à domicile, tant elles seront chaleureusement soutenues et ovationnées. Bonne chance à toutes les équipes. Vive la Confédération africaine de handball. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Thank you, Dr. Mansour Aremo, the president of the